Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir à vous tous, auditeurs, auditrices. Bonsoir à tout le monde qui toujours attendait moi, qui toujours participe dans ces activités. C'est un plaisir pour moi-même pour me prendre après-midi ou à soir, excuse-moi, pour que nous sommes capables de continuer à partager les idées, pour nous continuer à réfléchir ensemble et à propos de quelques sujets que nous sommes habitués à traiter ensemble. Et à ce moment-là, nous avons un sujet qui est très, très important que nous allons parler de lui et qui est un sujet peut-être au content de nous parler souvent de lui. De tous les mots. Nous avons souvent dit que l'argent est la racine de tous les maux. Et de ce fait, nous parlons partie de question ça. Si l'argent est la racine de tous les maux et le manque de l'argent, peut-on considérer le manque de l'argent comme la racine de tous les maux aussi? Et c'est à partir de question ça que nous parlons et à ce là à recevoir et messieurs Edna Legrand qui s'ayons administrateurs et qui sont jeunes garçons qui investissent aussi dans le coaching, tu me dis ça. Et peut-être qu'ils pourraient aborder ce sujet ça pour nous assurer là pour que nous-mêmes nous capables en quelque sorte avancer pour nous capables d'expliquer en réalité est-ce que l'argent réellement seulement est le manque, est la racine de tous les maux et le manque de l'argent. Pourquoi pas ne-t-on pas considérer le manque de l'argent comme la racine de tous les maux aussi? La racine de tous Donc, les maux et le manque de l'argent. Pourquoi pas? Edna le grand prophète comme invité par nous à celui-là. Et de ce fait, avant même Edna le grand participer, moi-même toujours fait ça pour que me porter quelques conseils salutaires et porter quelques conseils salutaires pour un peu le monde, surtout en Haïti, sous question de COVID-19 là, qui continue à faire ravage dans le pays, hein. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous tient à ce que nous attirer l'attention publique yo, pour que nous soyons capables de motiver chaque famille, pa yo, râler les oreilles, les gens qui ont fait négligence, les gens qui toujours pensaient que la pandémie n'a pas existé dans le pays d'Haïti, les gens qui toujours pensaient que bon, pandémie a été là, mais pas là encore vrai, les gens qui toujours pensaient que bon, et pandémie, son bagage qui seulement existe dans le pays blanc, mais pas pour nous. On nous fait le tout et maximum et comme dit et ça que nécessaire de nous pour nous capables éviter le pire dans le pays. OK? Et chaque monde qui a une famille pauvre qui a fait ça, bras les oreilles, parle avec eux, fait mon prendre précaution et puis on nous continue à faire jeûne, prier bon Dieu tout parce que nous comptons c'est bon Dieu seulement qui a protégé le pays d'Haïti contre comme dit phénomène COVID-19 ça. Et nous saluons la présence de quelques monde qui sont là avec nous. Là, nous avons un cousin Wedley, Wedley Oribin, Jean-Emmanuel Wedley, Oribin, mais c'est Wedley, et qui c'est cousin moi. Et moi, bien content pour que, parce qu'on est là avec nous, et cousin Wedley Oribin, pour participation. On dit, moi, pas quoi que l'argent, c'est racine tous les mots. Bon, ça c'est hypothèse pas. Et Wedley Oribin, ou bien Jean Hermani Oribin. OK? Monsieur Edna le grand prophète, de toute façon, bienvenue et sous plateforme, non? Mais merci parce que tu as accepté l'invitation, non? Merci parce que tu es toujours présent, parce que même si nous t'invitons à la dernière minute, pour que vous venez participer avec nous, toujours présent. Et ça fait un plaisir en pile parce que tu réponds présent à ce soir-là, une fois de plus. Donc, dans ce sens, ça. M'a invité pour capable bailler un coup de présentation de vous, mon vieux, et juste avant même que nous continuions avec l'interview pour celui-là. Avec vous, monsieur Edna Legrand. Monsieur Edna Legrand, entendez-moi? Est-ce que vous entendez? Edna Legrand, prophète. Merci, Maître Yves. Ma connaît est-ce qu'on t'entendait? Je vous remercie. Moi, t'entends bien, moi, t'entends bien. Ah, bien, ok.
Ok, merci à tout le monde. Nous dit bonsoir et bonjour. Ça dépend l'heure que vous écoutez et l'heure que vous pouvez écouter. Rediffusion ça. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous là. Nous-mêmes, c'est Edna Prophète, comme vous voyez, ça écrit dans l'écran. Et nous étudions Business Administration, ici Administration en Haïti. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de participer dans ce genre d'émission SAO et pour nous capables de partager et apprendre ce que nous connaissons. Nous saluons tout le monde qui est déjà présent et tout le monde qui est habitué à entendre nous déjà. Et nous disons merci et tout le monde qui a invité le monde pour participer. Nous disons merci et que nous voyons. C'est un bon moment que nous allons passer ensemble pour nous capables de parler des sujets ça qui très intéressant. L'argent est-il vraiment la racine de tous les maux ou c'est le manque de l'argent, le manque d'argent est la racine de tous les maux. Donc, nous allons voir. Ok, merci Monsieur Dan Legrand pour faire une fois de plus, et parce que vous présentez vous comme ça doit. Et normalement, nous allons rentrer d'emblée à ce sujet que nous gagnons parce que l'heure a fait défaut parce que par rapport à l'heure de gagner, mais si arrangement vous permettre que et nous retard. Et peut-être c'est un mot qui souvent court. Oui, mais OK? Et c'est peut-être c'est toujours commun dans le pays. Nous, souvent entendons des monde dire que l'argent est la racine de tous les maux. C'est ça tout le monde toujours dit. Et nous, souvent entendons des monde dire, nous, l'école, la Bible, peut-être, on pas lire ça quelque part dans la Bible, mais peut-être monde parler de ça en pile. Et est-ce que, ou même en tant que administrateur, il y a un monde qui étudie bagay qui gagne ouais, avec question bagay l'argent en pile, business, commerce, etc. Et monde qui investit dans le coaching. Et d'après ou même là, est-ce que, ou même ou qu'a considéré, ou bien comment on a abordé ce sujet-là pour nous assurer là, que l'argent réellement est la racine de tous les maux. Et pourquoi pas le manque de l'argent ne peut pas être considéré aussi comme la racine de tous les maux. Baron sous TPM bien. Baron sous TPM bien, monsieur Dner. Merci pour et on t'écoute très bien. On connaît que on t'entend tout. Oui, on t'entend très bien. À cause que on pas t'entend dans premier micro, c'est ça qui fait on n'a pas les interactions qui a manqué fait, mais que on t'entend. OK, on m'a avancé, on m'entend très bien, on m'a avancé. Qu'on est là, m'a continué. Juste avant que moi aborder et moi aborder à répondre question et me baser réflexion n'a pas le baser sur plusieurs aspects, mais n'a commencé avec allez. On a commencé avec une approche côté que il dit there's nothing about c'est pas un bagage qui au sujet de monde qui riche et monde qui pauvre mais en pile monde qui vivent ça qui fait aspect vous trouvez que monde qui gagne un mindset vous entendez thème ça il veut dire une façon de penser qui yon façon de penser capable yon façon de penser qui capable yon penser riche et yon façon de OK. penser qui capable yon penser pauvre. Par exemple, c'est conception moun yo, comment moun nan réfléchi milieu que li évolue a ou ka wè yon moun ki très qui leve nan famille pauvre et puis qui gen un mindset qui riche comme ça tout ka wè yon moun
élevé dans une famille riche qui a un mindset qui est pauvre. Mais qui s'est passé? C'est dans ce mindset-là qui pourra le définir. C'est qui gens que vous-même ou quoi monde qui riche là ou l'argent et qui gens monde qui pauvre là li ou l'argent. Là nous dit monde qui pauvre c'est pas monde qui nécessairement pauvre économique mais mentalement gen yon ensemble de bagay ko vinn kwè là-dedans ça rappelle directement en livre Père riche, père pauvre. Là, par contre, si gen moun la ki li li sa, que ou poil wè que nan salon moun ki riche la, genyen yon sort de discours ke yo pale an dan salon moun ki riche, et puis nan salon moun ki pauvre, ou poil wè, lèm di pauvre financièrement, ki pa, et pas pauvre financièrement, nan mindset la, ou pour aller qui Jean Salon ça parle. N'a point en premier yon premier réflexion que ou ka remarqué dans le livre Père riche père pauvre. Par contre, souté l'île déjà et que ou pour faire un rappel, mais sous pour l'île ça fait que ou approcher l'île ça. Donc on nous ouais yon moun ki kampe, li di petit mwen, ale l'école. Sa si paran, yon mette sa pou paran pouv la, li di petit la, ale l'école, et wap termine klaso, wap fon lisans, et apre, lò fin fè lisans tan, ou fè yon doktora, et pou wap ka jwen yon travay ki stable et sûr. You know, se sa, paran dou, ou pou al étudie, ou fè maîtrise, ou bien formé ou pour joindre un travail qui stable et sûr. Mais dans l'autre côté, ou joindre par un riche là qui dit que petit moins aller l'école et s'il le faut ou qu'a fait un rivé faire maîtrise mais ou pour le travail pour capable acheter entreprise ou bien pour employer moun qui gagne premier dans qualité sa yo qui gen maîtrise là qui gen doctorat que moun sa yo ou pour l'employer ça veut dire ou ka wè deux ti moun sa yo yo levé avec deux conceptions différentes yon a préparé pour le capable konnen ki jan pour préparer yon CV et que à travers CV a pour le capable convaincre côté pour le travail là pour dire oui ou même ou qualifié ou gen des compétences qualifié pour ça. Mais comme ça tout l'autre là nan opposé a parent travail li pour apprendre préparer plan d'affaires. Donc qu'on y a là qui ça que nous pour essayer ouais à travers eux. Nous pour essayer ouais un petit peu là où moun gen un riche mindset avec le moun gen yon poor mindset. Donc nous pas okay. Nous pas dit mais moun sa mais riche mais moun sa mais pauvre. Donc yon moun avec yon rich mindset understand that the first goal is to gain a surplus of a resources of resources. Then use it that surplus to accelerate things, accelerate education, business and accelerate the next generation. Ça veut dire yon moun ki gen yon rich mindset li comprend que premier rêve li c'est pour capable pi gen yon surplus de ressources et une fois que gen surplus de ressources ça li poil accélérer bagay que besoin li capable li poil faire marché éducation li poil faire business et puis li poil préparer pour nouveau génération donc vers yon poor mindset immediately see a supply resources as an opportunity for consumption. Donc, deuxième moun nan, poor mindset la, une fois que gen surplus ressource sa, li deja wè, sa se yon opportunité gen pou consommer plus. Ou la? Right. Donc, yon IGL li di ke
Là, nous dit rich mindset là, c'est le même qui même wealthy mindset là. Je veux dire, nous pas fait différence entre wealthy et rich, mais nous ouais, rich là and black et wealthy, y a un monde qui a créé ressources. Une fois qu'il gagne une ressource qui supplie, il dit qu'il j'aime qu'à faire ressource ça, bam, génération, génération après génération. Mais l'autre là, une fois qu'il gagne ressource là, il dit ressource ça, qui, comment pour ça sont opportunités moi-même pour me capable de consommer. Bah qu'on soit pas avant son bagage non bah qu'on qui est-ce qui là soit pas avant son bagage mais Yves il y a une grande chose bien, que pas bien tant bien mais de voir avant son bagage dis-moi fais-moi signe et puis tout c'est un auditeur avant qui continuer y a un auditeur qui attend de là qui fait me comprendre que pour m'aviser que grand pile monde bon côté le capitaine de nous OK grand pile monde bon côté le capitaine de nous son auditeur qui a avisé me qui signale me ça vous entendez. Et normalement, au cas juste avancer, au cas juste avancer, et les pour me parler, ma faut qu'on est. Moi d'avancer. Moi d'avancer le grand, moi d'avancer. Essayez d'avancer le grand. Ok. Ok. Ok, merci. 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 Et Jean Hermani Oribin, la famille Oribin. Ok, ok. Merci, merci. Donc, là, on voit la deuxième phase côté yon mindset qui pour qui yon mindset qui pour li wè tout bagay tan kou short term. Li wè par exemple moun k'ap travay pa mwa, li wè l'ajan k'ap rentre pa mwa. Mais qui ça m'a fait là-dedans? Majorité nan yo, l'argent qui a pris pas moi, qui j'en que m'a utilisé ressources ça? Li wè short term. Li pa wè, par exemple, li poko wè générationnel. Li. Okwen? Ça veut dire, ressources qui rentre pendant moi, et puis m'a dit dans tête moi, excusez-moi, parce que tout employé gen tendance ça, tout employé, m'a connaît. Tout employé qui appelé qui wè yo même k'ap goumen pou yon promotion yo wè yo même se formé tèt a ou plus pou yo ka jwenn yon promotion ou antre nan business lan ou di ki jèm ka jwenn yon promotion ki jan ke yo ka monte e salè a pou mwen parce que mwen on sécurité ki très yon nan moment ki très coûte. Mais qui différence de yon rich mindset qui is willing to invest resources with and with seemingly no return right away. Li a investi, ça pa vle di que pendant la investi a, li poil gen yon return konya la. Mais di gen yon investissement qui pa à court terme. Ma investi à long terme parce que business sa ma investi la dan à long terme. Mais poor mindset la, li toujours on barre short term. I work for dollars. Ça veut dire tant que le monde qui travaille États-Unis plus au one ou dans le système là, c'est il ouais si m'te ka toucher $15 par heure, si m'te ka jwenn un travail $20 par heure, la femme bi bien. M'jwenn un travail $25 par heure, la femme plus bien. Tandis que mindset rich myself là, li ouais directement qui ce côté le te ka investi qui gagne un long term investment qui ka long term investment qui capable bal yon profit qui est à l'avenir qui capable en pile vous comprenez mais li pa ko wè ressource la kounya la nan à l'immédiat. Donc ça veut dire ça c'était des différences toujours pou ka getan wè et puis on va regarder n'ap continuer et mettre Yves et tout moun k'ap suivre k'ap partager. Et pas jamais oublier sous faire venir là et c'est abonner à page là et puis partager encourager en l'autre monde well que mes des jeunes qui partager des bagailles qui ca servir et sous déjà connaît ou déjà cap aider tout mettre en application. OK, merci à tout le monde qui suit nous et côté à suivre là et n'a pas aller et donc là immédiatement songez côtoyer et nous toujours dit mon yo comme ça que et poser question yo parce que les n'a fait type d'intervention ça yo nous remet mon yo poser question parce que leur poser question ça ca permettre que gain des barres nous pas envisager
et puis question là qui permet que nous toucher yo et puis au Calvin retirer ensemble de doute côté capable gagner poser question yo monde qui présent yo pas négliger abonner pas négliger partager faire nous part de réflexion pour porter conseil tout parce que nous besoin ça tout travail en appel pour vous même et sans vous pas possible et nous besoin réflexion par nous besoin question par yo merci en pile. OK, avancez monsieur Edner. Edner avec vous. Edner s'il vous plaît. Vous sentez manquer captain? Yeah. OK, merci. Ces mêmes gens les là. Vous entendez? Yam un capto c'est dans direct la manque capto c'est ça qui fait m'tendé par rapport à l'autre récepteur c'est juste pour pas gain feedback comprendre okay. Donc là regardez yon moun k'ap travay il toujours wè li même m'pa konn pour majorité moun k'ap travay des fois li konn gen tendance li même ouais li plus formé passé boss là comprenez il ouais li plus formé passé boss là li ouais li gen plus capacité pas boss là il toujours attend une commission li toujours et focus sur ça ça son pour moi ça il toujours focus par exemple li senti trop connait passé boss là et ou changer l'autre dans philo des fois regarder des monde qui organ qui gen business ou senti que ou même parce qu'on dans philo parce qu'on dans université ou connait passé monde ça vous comprenez ça c'est ça dans tête tout tandis que monde qui gen rich mindset là li toujours ouais tout yon côté qui gen malgré qui gen que li même il capable gagner ou même qui ka bien pensé pour le ka organiser pour lui pendant ce temps il besoin temps est-ce que comprendre il besoin temps pour le créer pendant que ou prend temps mais ou pas investir dans livre ou supposé investir dans livre qui ka aide ou grandir ou supposé investir dans connaissance qui ka aide ou mais ou même sur le plan financier intellectuellement ou connaît est-ce que comprendre ou connaît et ou pense au supérieur à lui-même financièrement la chercher en sorte de liberté elle connaît pour jeune liberté ça pour le café l'autre balai qui est important pour lui faut que il te ca gagner pour nous tous les deux monde l'en difficile. Pour nous tous les deux, monde l'en difficile. Mais moun ki gen poor mindset là, difficulté monde l'en fait que li deveni yon excusite. Un terme que moi rencontré qui était vraiment qui est excusite. Excusite, ça veut dire moun ça li toujours à chercher des excuses. Oh, la vie est difficile et li obstacle, li fait fouet, tout excuse qui existait. Nous tous les deux nous ouais problème yo. Nous tous les deux nous ouais difficulté yo. Nous ouais monde l'en pas juste. Li ouais monde l'en pas juste tout. Mais li même qui gen rich mindset là. La dit pendant que mon ouais gen Freddy a. Comment moi pour inventer des bagages qui pour aider moun faire face à Freddy a. Au lieu que li focus sur problème qu'a traversé dans monde là, li focus sur solution que li même tout problème ça au qu'a permettre li porter dans monde. Ou la remet Yves. Donc m'a parlé m'a pas ça veut dire ou même pour m'a dire ou même si ou même ou a consommer toute négativité dans monde là et ou a perdu temps ou à la fois de négativité monde là ou même ou senti que monde là doit tout bagaille dans monde qui promise mindset là monde là doit tout bagaille communauté a doit tout bagaille et
tout l'autre monde qui a fait activité qui lié avec yo douel tout bagay. Donc moun sa li son attentif l'attend pendant ce temps l'autre moun rich mindset là li même l'a créé. Mm-hmm. Lui même l'a créé encore une fois. Donc parce que nous tous les deux capel en mort mais moun pour mindset là chita la plein bon mes difficultés à mes pandémies mes tribulations pandémies mais comment et ben elle a nous pas connait qui ça cap gain pour monde là qui baga mais l'autre monde qui riche là l'a dit comme ça en nous ouais qui gen nous ka adapter nous en nous ouais qui produit nous ka ba moun yo pour aider yo avec cœur que yo gain ou là met il en nous ouais qui produit que nous capable offrir yo problème nan a venir quand même n'importe gens ça a toujours gain problème nan et c'est même ça on dit là hein et si c'est Freddy qui gagne tout monde connaît que les périodes Freddy a venir faut faire Freddy quand même les hiver a venir faut que période hivernale là faut gain Freddy quand même mais gain monde qui pense qui dit que mais pendant période hivernale là c'est qui ça nous mettre en place nous supposé mettre à la disposition de monde ça yo qui pourrait le plaindre pour Freddy. Avait dit faut gagner Freddy quand même. Même gens dans période hivernale là qui gagne Freddy, les périodes chaleur pour venir gon groupe monde qui penser qui ça nous ca offrir pour monde ça yo. N'a pas le produit ventilateur pour yo, n'a pas le produit air conditionné, n'a pas le produit l'autre bagaille parce que monde ça pas le plaindre pour chaleur. Il y a besoin ça. Avait dit gagne des monde qui toujours prêt pour qu'a pensé sur comment résoudre les problèmes au lieu que y aurait été à proclamer à complain ça nous dit en anglais au lieu qu'a plaigné mais gemon qu'a pensé sur comment nous ca aborder problème là comment nous ca résoudre problème là par contre sous capitaine très bien à complain OK yeah. Ça veut dire c'est dans sens ça et me penser que c'est après ça qu'on voulait faire là au côté comment c'est faire. Yeah. Et me penser que c'est important. On capte et en retard un petit peu de ça fait des fois pour me répondre. OK. On va continuer. Yeah. Donc ça veut dire Donc, ok, nous capables avancer pour nous dire que si que m'pa konnen nan ki stade que moun nan capable riche et que moun nan capable pauvre parce que et pas tout moun qui gen l'argent et pas tout moun gen l'argent qui gen yon mindset qui riche et c'est pas tout moun qui pa gen l'argent qui gen yon mindset qui pauvre par exemple yon moun ki zanmi ou si zanmi an nou pwenn sil yon moun ki zanmi ou par exemple moun nan zanmi ou li pa vle wè ke ou menm ou progresi li pran pou pi gwo kompetiteur ke ou gen ki te gen men n'est pas nan sens positif tan kon challenger moun sa e pou moun sa ap viv avèk yon poor mindset parce que li wè nan ou yon danje sou progresi sa son poor mindset. Mais si vos amis qui ont un rich mindset, l'a toujours célébré succès ou l'a toujours embrassé compétition dans sens puis ouais compétition ça pas vini dans sens puis de twim mais il vini dans un sens pour capable faire moi-même moins productif. Ou là? Oui. Donc n'a retourné encore une fois pour nous continuer avec approche et dad rich te fait et dad poor te fait sous question l'argent là que le que ou même moi même tout ça que n'a utilisé là nous besoin corps et puis ou camper ou grandi ou te fin grandi avec yon culture qui dit que connaissance pi important passé l'argent pendant que pendant que ou ouais que pour aller dans bon l'école ou besoin l'argent je bien ici chante en musique
ou besoin ou yon bon offrande ou besoin l'argent, tout ça besoin besoin l'argent. Donc raison hein, est-ce que c'est l'argent problème? Non. Ou bien qui mindset que m'apprendre pendant que on t'a grandi de l'argent qui fait que me vienne comprendre c'est l'argent problème? Non. Qui perception faut gagner de l'argent hein, qui ça qui impression ou incarné en dedans ou de l'argent? Je me souviens de mon livre que m'a lu qui apprend moi ça qui dit que grand pile monde c'est ennemi l'argent qui oyé. Si on a raison l'aime t'a lu livre ça, l'aime m'a lu passage ça me t'ai remis en pile dans livre là. Ouais. Il dit grand pile monde qui considère ça comme ennemi l'argent, qui pas veut l'argent même. Monde ça considère comme ennemi l'argent. On était là. Comment faire ou remet en bagay? Comment faire ou remet en bagay? Ou prend sens que ou pas remet? Comment faire ou remet en bagay ou pas vle faire en harmonie ensemble avec? Ou remet bagay là? Ou camper devant moun ou approuver que faut ou que pas remet bagay là? Ou pas vle penser à bagay la, ou pas vle wè importance bagay la, ou pas vle wè que bagay la li pa indispensable, mais li très 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 important, que plus que ou te capable penser. Parce que, c'est une bonne logique la. Donc, ennemi l'argent, pas fort riche. Ennemi l'argent pas fort riche. Là, il faut plaigner plus de quantité d'argent qu'on va rentrer dans mon chaque mois. Yo. Donc, ça veut dire, c'est même genre, et une bonne bagaille, un bon proverbe haïtien que nous avons utilisé, que nous ne comprenons pas. Soit que nous ne comprenons pas comment nous utiliser, yo, ou bien nous utiliser mal. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans le livre là, coach là t'a expliqué ça qui dit que oula frère, oula. Moun yo considéré comme des ça, ne pas comme ça qui passé. Mais pour le tout temps m'a parlé si tomber à plomb, tomber à plomb. il utilise l'argent de manière très très négative, très mal, tu me dis un bon créole. C'est moun qui toujours utilise l'argent de façon très mal. Et c'est moun sa qui toujours considéré comme ennemi l'argent. C'est bon gens ennemi l'argent qui oyé, moun sa pas vle wè l'argent avec Dieu. Depuis moun nan wè l'argent, eh bien, c'est comme si moun nan senti le chaud. Moun nan chaud tankou di fè. Moun nan gen tout problème. Bon gen de moun ki ennemi l'argent, gen lè li gen plus problème lè li gen l'argent nan mil que lè li pa gen l'argent. Faut le capable utiliser l'argent, faut le capable consommer. C'est ça nous t'a parlé là. Et tout généralement moun sa yo yo travaille très dur physiquement, yo travaille très dur, yo bay plus énergie, mais à la fin yo capable gen moins temps pour repos, yo gen moins temps pour moun yo remè. Donc ça veut dire c'est yo bagay qui extrêmement et you know ou pas ka comprendre. Et puis tout depuis nos mindset là y compris de subconscient pour nous mêmes comme si qui pas qu'on sous qu'on en tant que psychologue ou gen idée sur subconscient. Le subconscient n'a pas de sens de l'humour. Ou ap joué avec yon bagay, ou dit, ah, l'argent pas important, bagay. Le l'argent vin nan men, il pas important. Ou comme si ou connaît l'argent important, ou connaît l'argent très important, mais on peut dire l'argent important. Mais ou connaît vraiment tout son besoin fait, tout son besoin fait matériellement, ou besoin l'argent. Mais ou même
ou ap ekate de bagay sa. Comportement. Et là, comment c'est parler de l'argent, on dit ça, ouais, ou même, ou parler de l'argent trop pour même. Tandis que mon a besoin d'argent chaque jour. Tandis que mon a besoin d'argent chaque jour, mais il refusait tant de parler de l'argent. Vous avez pas, il faut me battre, non? Parler de l'argent. Donc, ou besoin chaque jour, li indispensable pour vous. Ou pas qu'à fonctionner sans lui. Ou pas qu'à fonctionner sans lui. Donc, ça veut dire, n'a pas continué. Ça veut dire, chaque fois, donne-moi, donne-moi, m'donnons bruit.